dis à celui qui est à côté de toi, sois attentif. Alors cet après-midi, nous voulons apprendre ici la relation entre Dieu et son peuple. Dieu au ciel a une relation. Il y a une relation entre Dieu et son peuple. Pour ça, nous allons utiliser la parole. Donc la parole comme source de liberté et d'espérance. La relation entre Dieu et son peuple. Donc l'unique chose qu'il nous a donné comme connexion pour communiquer dans cette relation, c'est la parole. Donc la parole comme source de liberté et d'espérance. La parole nous rend libres. Comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra. Voilà, l'une des sources d'une relation, de la relation entre Dieu et son peuple, c'est la parole. Nous allons apprendre d'une manière d'être enseigné. Pourquoi? Parce que quand on comprend certaines choses dans certaines profondeurs, ça nous aide à comprendre tout au long de notre relation avec Dieu. Ma prière est telle que Dieu dévoile certains mystères cachés que tu ne maîtrises pas, que Dieu puisse dévoiler pour toi. Donc, certains mystères cachés que Dieu les révèle. Nous allons comprendre tout au long de ces messages. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Exode 20, 1 à 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est ainsi parle l'Éternel. Dieu est en train de rappeler à son peuple. Il a d'abord, avant de prononcer, il s'est présenté. Qu'il est Dieu, c'est lui qui est l'Éternel, qui a fait sortir son peuple de l'Égypte, de la maison des servitudes. Dieu parle. Donc si tu es sorti de la servitude, c'est moi qui t'a fait sortir de la servitude de l'Égypte. C'est moi qui t'a délivré de la maison de la servitude. Je crois cet après-midi dans cette église, énormément des enfants de Dieu, Dieu nous a sortis de la servitude. Je ne crois pas. Dieu n'a pas parlé ce genre de paroles lorsque son peuple était esclave. Mais Dieu a parlé, a rappelé à son peuple. Si tu es libre, épanoui, tu n'es plus dans la servitude, je vais te dire, c'est moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte de chaque personne n'est pas identique. L'Égypte peut-être, je suis né dans la famille de la sorcellerie, domine. La servitude veut dire, peut avoir plusieurs formes. Le mal domine tellement, je suis obligé à vivre certaines choses que moi je ne veux pas. On m'impose des choses. Mais Dieu t'interpelle, te rappelle encore cet après-midi, c'est lui qui t'a fait sortir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de l'Égypte. Il y a certaines choses dans la vie, Dieu peut commencer à te parler lorsque tu commences à avoir la maturité. Il y a certains langages dans la foi, Dieu peut commencer à te transmettre lorsque tu as la maturité. Lorsque ce peuple était en Égypte, on ne parle que de la servitude, de la souffrance, des réalités, tout ce qui s'est passé de mauvais en Égypte. Mais lorsque Dieu a fait sortir son peuple, Dieu a témoigné ce qu'il a accompli dans leur vie. Vous allez se rendre compte si nous revenons un peu en arrière. Dans Exode chapitre 19, verset 1er, c'était 3 mois après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. En plein désert de Sinaï, Dieu est revenu vers Moïse. Dieu est venu vers Moïse. Pourquoi Dieu est venu vers Moïse 3 mois après? Pour lui parler de certaines choses depuis la création. Voilà comment le monde a été créé. Voilà ce qu'il a vécu. Et dans Deutéronome 31, verset 9, Moïse a donné la Torah qu'il a écrite aux Lévites. Et l'arche de l'Alliance a été construite, dont la Torah a été placée. La relation d'un enfant de Dieu avec son Créateur, quand Dieu commence à te parler, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand la maturité commence à venir, il y a des choses que tu dois sentir dans la vie et le langage de Dieu va devenir de plus en plus simple pour toi. Dans les moments que tu es et tu vis, que Dieu te fasse entrer dans la dimension de communication profonde. Que les mystères cachés que tu ne savais pas, que Dieu révèle ces mystères-là à toi. Je me réjouis de dire dans la vie d'un enfant de Dieu, l'heure est arrivée de recevoir de la part de Dieu des choses qui, par laquelle que tu mérites, enfin, de te libérer, de te donner encore l'espoir. Pourquoi l'espérance? Nous vivons aujourd'hui, mais la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. La fin de l'Égypte ne veut pas dire la fin de toutes choses. Dieu voulait seulement démontrer qu'après l'Égypte, il y a une terre promise qui t'attend. Après l'Europe, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Après la vie d'ici, il y a des choses. Or, dans cette relation que la parole nous donne, source de libération et d'espoir,
Il est très important à chaque moment et à tout moment que nous devons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la révélation est très importante. Ça va nous aider à être ancrés, connectés à Dieu. Savoir qu'il sait nos besoins. Rappelle-toi là où Dieu t'a appelé. Rappelle-toi ce qu'il a accompli dans votre vie. Rappelle-toi de quoi est-ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Mais sache une chose, Dieu peut te parler de certaines choses lorsque tu atteins certaines maturités. Et vous allez se rendre compte, quand Dieu a donné les 5 livres pentateuques, il n'a pas donné à tout le monde. Mais Dieu a donné à Moïse. J'ai prié Dieu cet après-midi que tu sois parmi ceux-là que Dieu va donner cette portion de révélation que les autres n'ont pas. J'ai prié encore Dieu que Dieu te donne cette portion de révélation que les autres n'ont pas, que dans ta famille personne n'aura. Ton nom sera rempli et connecté à Dieu. À travers toi, que les gens auront d'autres messages que les personnes n'ont jamais. À travers toi, la relation de Dieu, entre Dieu et son peuple, les gens le verront à travers toi. Étant donné que Dieu communiquait avec Moïse, chaque fois que le peuple avait besoin de quelque chose, il partait d'abord chez Moïse et Moïse disait à Dieu. Des gens vont te dire des choses. Des gens vont te parler de leurs problèmes. De telle manière que toi, tu sois à mesure d'aller vers Dieu pour prier pour eux. Il y a des fois, tu ne seras pas dans la joie. Tu ne seras pas, les choses ne seront pas faciles pour toi. Mais tu auras la responsabilité de témoigner que le Dieu que nous prions, il est un Dieu véritable. La révélation des 5 livres de Torah, ou dans la tradition juive ou chrétienne, la date a été fixée à peu près vers 1312 avant Jésus-Christ. Depuis la création, Dieu a œuvré avec des gens, mais Dieu n'a parlé à personne de la création. Voici comment le monde a été créé. J'ai prié Dieu, l'ignorance ne sera pas ton allié. Non, j'ai prié Dieu, l'ignorance ne sera pas ton allié. La Bible dit que Dieu ne fait jamais quelque chose sans révéler à ses bien-aimés. J'ai prié Dieu cet après-midi que tes yeux s'ouvrent, que tu voies les merveilles de Dieu. Non, j'ai prié encore cet après-midi que rien ne se cache devant ta personne. Que tout soit dévoilé, tout soit révélé. Et la Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Un enfant de Dieu qui vit la révélation, c'est un enfant de Dieu qui est en train d'expérimenter la puissance de son Dieu. Ce qui bat mais tu sois Moïse de cette période. Tout le monde ne sera pas au courant, mais toi, tu sauras certaines choses dans ta vie. J'aimerais parler d'une période pour bien avancer. C'était une période de persécution dont les chrétiens étaient persécutés. Il y avait Jean, lui aussi il était persécuté, il était obligé de fuir à Patmos. Lorsqu'il est arrivé à Patmos, tout le monde était désespéré, tout le monde se posait des questions, est-ce qu'il y aura-t-il la libération? Est-ce que les peuples seront libérés? Mais pendant ce temps-là, lui aussi il souffrait. Jean a vécu des choses que d'autres personnes n'ont pas vécues. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean ne s'est pas retrouvé en Patmos en tourisme, mais il s'est retrouvé en Patmos à cause de sa foi. Non seulement à cause de sa foi, mais à cause de la témoignage de qui? De Jésus-Christ. Il y a certaines situations qui peuvent arriver dans votre vie. Peut-être l'endroit que vous êtes ou l'endroit que vous vivez, ce n'est pas votre endroit. Mais n'oublie jamais, là où la parole t'amène, n'abandonne pas et ne lâche pas. Car ta vie est conduite par la volonté de Dieu. Il y a des voyages de joie qu'on a prévus, qu'on a préparés. Lui, il s'est retrouvé dans un endroit que lui n'a pas voulu ni pensé. Mais ce n'est pas à cause de lui, à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages de Jésus. Non pas à cause de nous, mais à cause de la parole de Dieu. Et à cause des témoignages de Jésus. Il y aura des choses que Dieu a fait dans votre vie. Et beaucoup de personnes cherchent et tentent à étouffer ça. J'aimerais te dire une chose. Si à cause de la parole de Dieu, de la relation, la parole qui donne la liberté et l'espérance est en toi, ne lâche pas. Tu te retrouves dans certaines situations que tu n'as pas voulu. Que ce soit à cause de la parole de Dieu et de la puissance de la parole. Et de la témoignage de Jésus-Christ. Sois un témoin par lequel des gens verront. Je peux me retrouver dans telle situation, mais n'oublie jamais, ne lâche jamais. Pourquoi j'ai cité Moïse?
Et là, nous revenons dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était l'endroit dont Jean aussi, dans ses difficultés, Dieu l'utilisait pour dire aux autres qui étaient en train de souffrir, de ne jamais perdre espoir, de ne jamais abandonner. Je n'échoue jamais. Malgré il y a des gens qui sont morts, malgré il y a des gens qui vivent des situations difficiles et complexes, mais ne lâchez jamais. Lorsqu'on avance ou on évolue avec Dieu, de ne jamais lâcher et de ne jamais abandonner. Moi, Jean, votre frère, il y a des bien-aimés qui souffrent pour l'évangile. Dans certains pays, je vis, quand ils prêchent l'évangile, les gens sont lapidés encore aujourd'hui. Les gens sont tués. Parce que l'évangile est né au moment où la domination romaine opérait. Israël même était sous la domination romaine. Non, malgré la malédiction et le combat qui combat ta vie, je suis venu te dire cet après-midi, si tu gardes la parole de Dieu, si tu témoignes que Jésus-Christ est le véritable, aucun malheur n'atteindra ta vie. Et j'aimerais dire une chose, malgré des situations ou des réalités que nous pouvons vivre, sois un témoignage, témoin de la puissance de Dieu. Que les citations ou des réalités que nous pouvons vivre, qui nous a imposé des Romains. Des Romains peuvent avoir plusieurs formes. Des Romains peuvent être mystiques, mais des Romains peuvent être seulement des simples gens. Vous savez, la domination égyptienne, ce n'était pas mystique, mais c'était des gens. C'était l'esclavagisme. La domination romaine aussi, c'était seulement physique. Il étouffait l'évangile. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, si à l'époque des gens, on n'a pas réussi d'étouffer l'évangile, dans ces périodes que nous sommes aussi, l'évangile ne sera pas étouffé. Ah non, l'évangile ne sera pas étouffé. L'évangile ne sera pas... ne finira jamais. L'évangile ne sera pas effacé. Parce que tout simplement, Dieu veut garder une bonne relation entre lui et son Père. C'est pour cela que la parole de cet après-midi te donne encore la force d'espérer de ne pas lâcher. Et la parole de cet après-midi te donne encore l'espoir de croire que je suis réellement libre en Jésus-Christ. Quand on vit en Europe, on t'a fait tarder pour te donner ce que tu as besoin pendant 2 ans ou 3. Est-ce que ça te dérange? C'est pour cela qu'en Europe, vous entendez les gens, j'ai fait 25 ans sans pour autant avoir des papiers, mais il est toujours ici. C'est-à-dire, l'espoir veut dire tout simplement que j'aurai. Il y a des gens qui ont donné naissance à un enfant. Il dit, à travers mon enfant que j'ai donné naissance, qu'à travers lui aussi, les choses vont, je serai régularisé. J'envoie mon enfant à l'école, demain ça sera meilleur. J'aimerais te dire, si un homme peut espérer de cette manière-là, combien a plus fort un enfant de Dieu. Et Jean-Baptiste et Jean, dans ce genre de citations, Dieu lui a utilisé fortement. C'est pour cela que je disais au départ, que le temps de révélation soit avec toi. Que le moment de révélation soit avec toi. Apocalypse chapitre 1er toujours, verset 4. Le verset 4 nous dit ceci. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Par des 7 églises de l'Asie, n'est-ce pas? Là où vous êtes dans votre souffrance, les 7 esprits veillent sur vous. Grâce et faveur soient avec vous. Peu importe l'endroit que vous serez, la bonté de l'Éternel va se révéler. Peu importe l'endroit que vous serez, les messages de joie et de paix viendront dans votre vie. Grâce et paix vous soient données. Je dis encore, grâce et paix te soient accordées. Grâce et tranquillité te soient transmises. Parce que malgré la souffrance que vous êtes en train de vivre, ce que j'aimais en Jean, pendant ces temps difficiles, Dieu lui a utilisé comme un instrument d'espoir. Cela veut dire tout simplement... Quand tu souffres, non, tu peux aussi enseigner l'autre, sois fort. Quand tu es en Patmos, tu peux donner encore l'espoir à l'autre. Quand tu es en Patmos, tu peux être aussi la clé ou la connexion par laquelle que Dieu va utiliser pour fortifier les autres. Que tu sois la porte par laquelle que les gens vont recevoir des paroles de paix, des paroles de confiance, des paroles d'assurance, tout en sachant que Dieu est en train d'accord d'opérer. Jean criait beaucoup. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, il y a tellement de choses que Dieu a utilisées pendant ces temps-là. L'Esprit de Dieu était en Jean. Je prie aussi que l'Esprit de Dieu soit à toi, Meshach. Maman Anaïs, que l'Esprit de Dieu soit à toi. Que l'Esprit de Dieu t'utilise, Maman Julia. Maman Odette, que l'Esprit de Dieu te conduit. Que l'Esprit de Dieu soit une flamme par laquelle il est très important parce que c'était un période très difficile. Il y avait l'angoisse, la peur, la persécution. Mais il y avait un homme qui souffrait aussi, mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Non, des gens qui viennent avec l'angoisse et des paroles de foi et de fortification pour dire à un enfant de Dieu, n'abandonne pas car Dieu agira. N'abandonne pas car le ciel a révélé des choses. Le ciel a appris comment même le monde a été créé.
J'aime Moïse parce qu'il a vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Que Dieu fasse en sorte que tu vives aussi des choses extraordinaires dans votre vie. Que tu vives des choses extraordinaires dans votre vie. Lorsque quelqu'un vient avec la paix, sois l'instrument d'encouragement, d'espoir pour les chrétiens ou pour les enfants de Dieu. Il y a des temps, quand quelqu'un traverse certaines périodes, des paroles d'encouragement deviennent rares. Mais quand il rencontre une personne, lui aussi il souffre. Lui aussi ça ne va pas. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause des témoignages de Jésus, il te dit, n'abandonne jamais. Persévère. Demain ça sera meilleur. Il te dit, ne désespère jamais. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Lorsque chaque personne avance vers toi, il y a des fois on rencontre des personnes. Quand ils nous regardent aujourd'hui, quand ils te regardent aujourd'hui, hey, maman Lise vient. Non, maman Lise, Zalamotei. Mais Dieu m'utilise. C'est une connexion que les autres n'ont pas. Moi, j'ai. Je te dis, ne abandonne pas, car Dieu verra. J'ai remarqué quelque chose, j'ai fait un constat. Même dans les milliers des enfants de Dieu, ça devient rare. Tu vois un enfant de Dieu que tu lui parles d'une parole, de quelque chose, d'une citation qu'il te fortifie. Tu sens que même des enfants de Dieu deviennent négatifs. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, n'importe quoi, ça va être dire. Hein? Dans ce genre de citation, moi j'ai fait 15 ans. Comme toi, tu as fait 15 ans pour avoir, l'autre fera 15 ans. J'ai rencontré un homme ici en Europe. Dès qu'il m'a vu, quand il me proposait, fais ça, je disais non. Fais ça, je disais non. Fais ça, je disais. Il dit, nous tous, on a fait ça. Mais c'est bien. Si vous avez fait ça, c'est votre chemin. Qu'est-ce qui prouve que c'est encore mon chemin? Que Dieu t'utilise, que tu sois quelqu'un qui est capable de transmettre la vie et la foi à cause de la parole de Dieu. Non pas à cause de vous-même, mais à cause de la puissance de la parole de Dieu. Si Dieu ne te donne pas par rapport à ça, Dieu a de multiples façons à résoudre ton problème. Ne mets pas Dieu dans un schéma. Il y a des moments où Dieu a fait sortir du sol des oiseaux, de la terre. Il y a des moments où, par Moïse, il a dit frapper et l'eau va se séparer. Il y a des moments où il a dit parler. Il y a des fois où il a dit frapper autant de fois pour voir les résultats. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, ne mettons pas Dieu dans un schéma. Sache que je dis une chose, que Dieu te donne des révélations, des paroles d'espoir, que à cause de la parole de Dieu, que Dieu t'utilise puissamment, que enfin d'être en mesure de fortifier, de donner l'espoir. S'il n'y a plus l'espoir, c'est qu'il n'y a plus la vie. Nous tous, nous espérons que demain, ça sera meilleur. Et ça serait meilleur au nom de Jésus. Ce que nous avons vu, ça ne vaut rien de ce que Dieu nous réserve demain. Et nous le verrons au nom de Jésus-Christ. Reçois cet espoir-là. Parce que la plupart des gens nous enseignent le désespoir. Et quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, le monde que tu vois, j'ai créé ce monde avec une seule personne. Mais j'ai vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il faut un aide semblable. Voici les choses que j'ai fait. Si les animaux ont été nommés par Adam lui-même. J'aimerais te dire une chose. Certaines choses des gens vont oublier. Mais la vérité de la parole que Dieu te révèle, personne ne pourra oublier ça. La vérité de la révélation que Dieu te donne, et tu seras un symbole de force et d'encouragement. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, reçois ces 5 livres. Donnez ça aux Lévites. Donnez ça aux prêtres. Que ça reste parmi les nations. Les Juifs ont gardé. Même nous, les chrétiens, nous gardons ces livres-là jalousement. Parce que Dieu nous a démontré qu'il est le seul et l'unique créateur. Comme il a dit à Moïse, je t'apprends. Je dis seulement que la lumière soit et la lumière blême. Alors ton problème, que la lumière soit aussi. Non, que la lumière soit aussi. Non, Dieu t'attend. Mais Dieu fera pour toi au temps fixé et au moment convenable. Parce que ton Dieu n'agit jamais ni en avance ni en retard. Ton Dieu agit au temps convenable. Quand Dieu te réserve quelque chose, tellement c'est bon, il te donnera au temps convenable. Jean, il était disciple. Les choses qu'il a vues à Patmos, aucun autre disciple n'a vu. J'aimerais te dire, si tu attends Dieu, tu fais confiance à Dieu, que la porte de grâce s'ouvrira devant vous. Oh, la mystère de la puissance et la grâce de Dieu que les autres n'ont pas vécu. C'est pour cela que Moïse était l'un des hommes qui ont expérimenté Dieu à une dimension extraordinaire. J'aimerais expliquer ça sur le plan spirituel. Je n'ai pas un tableau, mais on va faire ça là, ensemble. Il y a des premiers cercles. Regarde ici, Église. Premier cercle, ça vient là. Deuxième cercle, ça vient un peu à l'intérieur. Le troisième cercle, ça vient encore à l'intérieur. Il y a une autre petite cercle. Il y a maintenant le point qui est le point central. Sur les plans spirituels, énormément de gens traversent seulement un seul cercle. Dieu est au centre. Donc Dieu est très loin. Spirituellement, Moïse est l'un des êtres humains qui est allé très loin. Avec la puissance de Dieu, avec la grâce. Même devant Pharaon, il était Dieu. Parce que Dieu lui a donné cette capacité-là.
je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Même les miracles opérés dans la main de Moïse, si Dieu n'a pas voulu que les gens voient la tombe de Moïse, parce que Dieu savait que Moïse, même le diable est jaloux de lui. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, dans la révélation que Jean a reçue en Patmos, même le corps de Moïse, le diable est venu pour chercher le corps spirituel de Moïse. Et il y a eu combat. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu t'accroches réellement à ton Dieu, si tu marches avec lui, j'aimerais te dire, aucune personne ne pourra réclamer ta personne, car l'armée céleste de Dieu viendra défendre ta personne. Ce qu'on a un zamba solo, l'on le contacte, l'on a un zamba. On a posé un témoignage à Batouté, même les gens ne verront pas. Dans l'esprit à vie, ils connaissaient l'homme qui était là, mais Dieu, cela n'a pas empêché Dieu de témoigner. Laissez le Saint-Esprit témoigner, et sa voix a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Non zamba lobela makasi. Non zamba tata la kozaka yaye. Non zamba bate la kobutu moye. Je dis une chose, personne ne pourra te vaincre. Ah, je le dis encore, personne ne pourra te vaincre. Je dis encore, personne ne pourra toucher même un seul de tes cheveux. Parce que tout simplement, à l'époque de Moïse, il a eu grâce d'avancer, mais il n'y avait pas Jésus. La relation de Dieu et son peuple, entre Dieu et son peuple, nous avons un intermédiaire qui rend les choses faciles. C'est pour cela, vous allez voir, j'en viens de dire, je suis par la parole, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Les choses de la perfection ne sera plus loin. Ça devient près de tes mains. Parce que le nom de Jésus fait la connexion parfaite avec le Créateur. Là où les autres de l'Ancien Testament n'ont pas arrivé, nous simplement avec le Saint-Esprit de Dieu, ça nous donne la facilité. C'est pour cela que Christ a dit, je vous laisserai par offert. Face à la l'angoisse, à la peur, face à la peur, la persécution, l'île de Patmos nous a présenté un fitir. Parce que Jésus donnait des visions et des symboles du fitir. L'île de Patmos, Jésus lui a donné ce qui arrive, des symboles du futur. Cela veut dire quoi? Les temps de la fin, le combat contre le bien et le mal, ou le bien et le mal, la victoire finale de Jésus, la victoire finale de Dieu et de Jésus-Christ. Mon victoire, alléluia. Isaac a pas pesé ce mot. Bundisa pesé ce mot. Mon victoire finale est au salam. Donc, on a assouti. Non, Satan a pesé. Il nous a donné, il lui a donné la vision des, ou les symboles du feu. Les temps que nous sommes, les sorciers ne peuvent pas te vaincre. Je vais dire la vie d'un enfant de Dieu, n'aie pas peur des sorciers. Non, n'aie pas peur des magiciens. N'aie pas peur des gens qui tâtent ta vie. Car Dieu a donné déjà des messages d'espoir. Il lui a parlé des jugements d'air, des nouveaux ciels et des nouvelles terres. Vous savez que ça viendra. Vous savez que ça va venir. Nouvel ciel. Parce que la Bible dit tout passera. Le ciel et la terre passera. Mais il y aura la création de nouvelles ciels et de nouvelles terres. Que Dieu se révèle en vous. Enfin que le futur ne soit plus un mystère. Enfin que le futur ne soit plus un mystère. Parce qu'il sait une chose, que je suis avec Dieu. Le fait d'être avec Dieu, mon futur reste meilleur. Et je prie Dieu, au nom puissant de Jésus, que tu expérimentes davantage que tes ennemis qui sont en train de plans ou de projets, que tu sais déjà. J'ai pris bien un petit truc en internet dont j'ai expliqué. C'est un petit truc. Hein. J'ai dit, quand tu parles mal, tu rigoles devant mes yeux. Moi, je connais déjà la profondeur de tes actes, comme si je ne sais pas. Ma réalité, rien n'est caché. Et la Bible dit, rien n'est caché devant l'Éternel, notre Dieu. Devant le Dieu, tout est transparent. Celui qui sait de te tuer, tu le sais déjà qu'il fait ma mort. C'est pour cela qu'on a appris la fois dernière. Jésus n'a pas entendu que Judas accomplisse l'œuvre qu'il devait faire. Fais-le vite. Patmos, ça peut être un moment de difficulté, mais n'oublie jamais que rien ne sera caché. Toutes les choses à venir seront révélées. Et vous allez voir, il nous a laissé tellement de révélations lorsqu'il était en Patmos, que ces révélations soient cette révélation. Que tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel, soit dévoilé dans votre vie. Donc, il y a Batamakas à la dévoiler. Que tout le système maléfique et diabolique qui s'opère soit dévoilé. Apocalypse, chapitre 1er encore. Verset 10, toujours, premier verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Là, il parle. C'était le jour d'adoration comme celui-ci. Il fut ravi, porté en esprit. Il entendit quelque chose qui sonnait de sa, une voix forte qui sonnait comme une trompette. Quand les oreilles spirituelles s'ouvrent, mes chers, écoute-moi.
Qu'est-ce qui fait que Jean-Félix prêche la parole de Dieu tout le temps? Je peux prêcher encore demain, je peux prêcher encore tous les jours. Quand tes oreilles spirituelles s'ouvrent, dans le domaine que tu travailles, Dieu te révèle des choses, Dieu t'apprend des choses. Même la science que tu vois, la connaissance des sciences. Un jour, nous, dans l'enseignement, nous allons revenir. Dieu a pris tout un tribut pour lui donner la connaissance des sciences pour développer le monde. Qui n'a jamais entendu que la richesse est juive? Tu as entendu parler de ça? La connaissance des matières premières, c'est juif. Vous connaissez ça, non? Pourquoi juif? C'est que les gens voient inutile, pour toi ça deviendra utile à cause de la révélation de Dieu. Que Dieu élève nos enfants qui soient intelligents. Que les gens voient s'ils nous prennent pour rien à cause de notre Dieu. Que la grâce de la connaissance descend dans leur vie. Que la grâce, non, des gens soient surpris, même les blancs soient surpris. Parce que nous avons un Dieu, que cette voix-là, que les autres n'attendent pas, les jours de sabbat, les jours de l'adoration, que tu attends ça cet après-midi. Et fongolo connaissance, et pesayo biloko batbaye bate, et la kiso mateo batbate ate. C'est pour cela que j'aime dire, j'aime pas écouter d'autres prédicateurs. Si je l'écoute, qu'est-ce que moi je vais prêcher? Je serai influencé. Yat, mais chacun a bien prêché. Moi aussi, je vais faire semblable à lui, mais déformé. Mon frère, tu comprends? Mais quand Dieu te donne quelque chose, n'a pas de mots dans ta souffrance, mais puis des logos et des réma. Et les merveilles de Dieu vont accompagner parce que tu vas aller puiser à la source pour façonner ta personne. Si ça sera incompréhensible pour les autres, pour l'église d'Asie, ça sera un message puissant. Retenez bien, lorsque le message a été donné à Moïse, c'était d'abord pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Lorsque quelque chose est bon, une instruction est bon, regardez, on va parler d'une manière de modèle, hein, de comment la mode. Imaginez, il y a quelque chose qui fait fureur. À l'époque, je vais dire sincèrement pour que ça nous facilite la tâche, pour qu'on ne parle pas loin. À l'époque de Michael Jackson, est-ce que moi je connaissais anglais? Je disais même des choses que si l'anglais entend ça, il va me taper derrière. Vous comprenez? Tellement le monde entier parlait de cela. Quand la puissance de Dieu opère et se révèle, d'autres personnes seront affectées. C'est pour cela que Christ n'avait pas hésité en disant que cette vérité ne sera pas cachée. Allez dans toutes les nations, allez baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Fais-les mes disciples. J'aimerais te dire une chose, si cette grâce particulière descend dans votre vie, personne ne peut bloquer ça. Ce côté une église, c'est l'internet, et les gens vont écouter ton message. Même si tu es en Patmos, dans la souffrance, même des gens pensent que pour qu'on écoute ton message, le fils de l'homme n'avait même pas d'âne. Mais son évangile est arrivé avec nous. Si Dieu t'accompagne, si Dieu est avec toi, aucune chose ne peut être arrêtée. Apocalypse toujours, chapitre 4 maintenant, verset 1er. Apocalypse 4, c'est 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Première fois qu'il a entendu la voix, c'était une voix incompréhensible. La parole de Dieu peut être aussi une voix compréhensible pour les autres. C'est pour cela l'apôtre Paul, folie pour des païens. Ça peut être incompréhensible. Mais cette fois-ci, il a entendu d'une manière un peu claire. J'aimerais dire, quand ton intimité est mise avec Dieu, est-ce que tu sais parler chinois? Si quelqu'un parle chinois, tu vas comprendre. Je vais expliquer avant pour mieux comprendre. La Bible nous dit, il y a des langues des hommes et des langues des anges. N'est-ce pas? Donc, c'est que dans le royaume de Dieu, le langage n'est pas notre langage. Si tu n'es pas attentif, même quand Dieu te parle 15 000 fois, tu ne sauras pas comprendre que Dieu est en train de te parler. Et j'ai entendu même dans les témoignages, quelqu'un est en train de dire que Dieu m'a dit, mais lui-même, il est en train de douter de ce que Dieu lui a dit. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a dit? C'est pour cela que Christ a dit, je connais mes brebis. Il connaît ma voix. Il entend ma voix et il me suit. Si tu vois un enfant de Dieu, il est là en train de... Moi, j'appelle ça une feuille morte. Tu vois, à un période ici en Europe, quand les feuilles tombent, quand le vent part comme ça, là, les feuilles partent encore là-bas. Quand le vent va descendre vers la mer, va redescendre. Le vent descend, les feuilles descendent encore de l'autre côté. Mais lui, à ce temps-là, il a eu d'une manière précise, il a compris. Le ciel était ouvert. J'ai prié Dieu que le ciel soit ouvert pour toi. Quand Dieu t'appelle, viens et vois. Je te montrerai la suite. Ce que tu as vu ne vaut rien par rapport à ce que Dieu va te montrer.
Ce que Moïse a vécu, séparer l'eau, ne valait rien. Il fallait attendre 3 mois pour maintenant Dieu puisse lui parler des choses extraordinaires. Même les temps que tu n'étais pas né, et qu'on a la secret pour Nayoté. Il y a quelqu'un qui a une révélation, qu'on a fait une pratique sur lui, elle était encore bébé. Mais par la révélation de Dieu, Dieu lui a montré les choses qui ont été faites lorsqu'elle était inconsciente. Mais chaque tout soit dévoilé devant ta vie. Que rien ne puisse se cacher devant toi. Que tout soit ni devant toi. Que si quelqu'un n'est pas ce que toi tu penses, tu dois savoir. Tu dois déjà savoir en avance que tout te soit révélé. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de fidélité. Comme Jean était disciple, mais non, il faut attendre Patmos pour voir certaines révélations. J'ai prié Dieu, dans cette période que nous entrons, que Dieu se révèle à toi puissamment. Que le mystère de Dieu qui est caché soit dévoilé en toi. Que Dieu se montre ses mystères. Que Dieu t'enseigne des choses. Comment il peut dire cet enfant-là, cet âge peut dire ce genre de choses-là? Le surnaturel localise la personne. Non, que le surnaturel localise la personne. Que le surnaturel de Dieu localise ta connaissance. Que le surnaturel de Dieu se dévoile devant toi. Dis, monte ici, je te montrerai la suite. Vous savez, la suite, Yana. La suite, dans le livre des Révélations ou Apocalypse, ce sont des messages très importants que Dieu nous a transmis à travers la révélation. Ce sont des écritures qui nous donnent la force même au moment des persécutions. Au moment des besoins, des désespoirs, les messages viennent nous fortifier. Pour des messages de victoire que nous devons savoir, des messages d'encouragement. Il nous rappelle que Dieu est toujours le même. Il nous rappelle que Dieu est toujours le même. À tout ce moment-là, non, Dieu est toujours le même. Même si tu n'as pas mangé, Dieu est toujours le même. Même s'il y a la persécution, Dieu est toujours le même. Même s'il y a la sorcellerie, Dieu est toujours le même. Même s'il y a la magie, Dieu est toujours le même. L'espoir que Dieu il t'a pas abandonné. À ces périodes-là, énormément de gens pouvaient dire Dieu nous a abandonnés. Comment nous sommes adhérés à quelque chose qu'on nous tue tous les jours? Non, laisse garde le silence. Reste calme. Seul qui est en train de persécuter les gens, demain il sera transformé. Car Jésus lui-même ira à sa rencontre pour le combattre. Là où ta main ne peut plus arriver, ni atteindre, ni combattre, Dieu va se lever pour défendre ta vie. Ne doute pas, compte sur la grâce de Dieu. Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Que Dieu t'amène loin spirituellement. Que Dieu ne soit pas loin de toi, mais près de toi. C'est pour cela qu'il nous a dit, ne savez-vous pas que vos corps, dit mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Dit encore, vous savez, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Où est Dieu maintenant? S'il est en toi maintenant, prie. S'il est en toi, prie. S'il est en toi, prie maintenant. Si tu as compris, la relation est bonne. La parole est toujours là. Parce que la parole ne passera jamais. Prie, nous te rendons grâce, Père.